Et salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Periado, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui est le fameux jour où Edgar sort. J'ai essayé de me connecter ce matin, le jeu a complètement crash, je pense que les serveurs ont été saturés, je regarde après. C'était complètement saturé. Du coup, je me reconnecte, il est quoi, il est 16h là, et la vidéo devrait sortir à 17h. Oh, autant vous dire qu'elle ne sortira jamais à 17h, de toute façon vous le savez, puisque vous avez l'horaire vous. Donc, on va se connecter, on va récupérer Edgar, je me suis pas encore connecté aujourd'hui, j'ai plutôt hâte de voir. Et on va le découvrir ensemble, on va le découvrir dans tous les modes. Bien sûr, je pense que vous l'avez récupéré, si vous ne l'avez pas fait. Récupérez-le vite, très vite même, parce qu'il est disponible jusqu'à demain, il me semble. Mais je crois qu'il reste en magasin jusqu'au 7 janvier. Je viens de le voir l'info, c'est pas sûr, ça a confirmé. En tout cas, c'est peut-être possible. Si c'est pas vrai, bien sûr, corrigez-moi. C'est important, mais dans tous les cas, il est gratuit, récupérez-le avant qu'il soit en boîte. Donc là, nous allons nous connecter à Brawl Stars tout de suite. Et puis c'est parti la vidéo, bon visionnage les gars. C'est parti, je vois le magasin, je vois le petit gratuit. J'ai juste trop hâte, on va directement le découvrir. J'ai trop hâte, regardez-moi, il est gratuit là. Brawler jour 8. Il fait plaisir, attendez, il fait hyper plaisir. C'est une épique, putain, c'est une épique, je savais même pas. Il fait trop penser à Sasuke, je sais pas vous, mais moi il me fait penser à Sasuke, mais de ouf. Alors lui, c'est un mauvais garçon, sinon il aime aussi le parcours. Franchement, il est trop beau. J'ai toutes les épiques, du coup, bénef, quoi. Je suis content. Je suis grave content. Oh, mais je suis trop content, vraiment. Du coup, on va se mettre directement notre petit brawler. J'ai 35 brawlers, du coup, ça fait hyper plaisir, ça. Edgar. Wow, il est beau, hein. Rien qu'à voir, il est beau. Il y a tout le monde qui doit le jouer en ce moment parce que tout, il est gratuit, donc tout le monde doit jouer. Un truc de malade. On va voir un peu les missions qu'on a, j'ai des quêtes, bon ça je les ferai tout seul bien sûr. Mais on va tester dans tous les modes, vous connaissez de toute façon la devise. Si vous connaissez pas, bien sûr, regardez les nouveaux épisodes. Je pense qu'on va le commander en survivant, commencer en survivant plutôt. Et c'est parti, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. A few moments later. Ah, bon, j'ai pu lancer un combat de boss. Oh putain, je suis avec 3 Edgar, ok, il y a Tom qui doit jouer avec Edgar, ça doit être abusé là. Oh. Et ouais, il est gratuit donc c'est logique. Oh, il a une portée hyper courte. Mais vraiment hyper courte, on dirait El Costo. Peut-être même pire que El Costo du coup. Ah mais il gagne de la vie, hein. Il gagne de la vie, c'est vrai, j'avais vu le test, putain. Par contre, sa recharge d'attaque, elle est méga rapide, regardez-moi ça. Et ça du coup, par exemple, du coup là... Ah, il tourne quand même, mais il fait pas de dégâts. Je crois que les dégâts, il les fait seulement à partir du Star Power, si je me trompe pas. Il fait masse de dégâts par contre, mais il est quand même assez dur à jouer. En tout cas, pour les combats de robots, c'est pas l'idéal non plus. On va pas se mentir. Mais les dégâts qu'il fait, oh, je suis limite choqué les dégâts. Mais oh, je suis avec des grosses merdes. Ok, bon, ça va être très vite terminé. Parce que vu avec les merdes avec qui je suis, c'est très très compliqué pour moi. Attendez, il fait pas de dégâts, on est d'accord. Ouais, il fait pas de dégâts. Très bien. Bon, j'ai fait exprès de mourir. Hein. On va se calmer, j'ai fait exprès de mourir parce que j'ai pas envie que ça dure 300 ans et on s'en fout d'un combat de boss, on est d'accord. Voilà, j'étais avec les plus grosses merdes. Bon, il y a que ça qui marchait. De toute façon, on s'en fout du combat de boss. Oh, c'est trop stylé son animation, il se tape avec dessus. Je kiffe son animation, je sais pas pourquoi. Alors qu'elle est complètement ridicule, mais je la kiffe. Les gars, on se retrouve 2 jours après. Et oui, 2 jours après, parce que les serveurs étaient complètement saturés. Et le lendemain, j'avais des choses à faire, tout simplement. Et du coup, j'ai pas testé Edgar. Mais là, j'ai rejoué. Et franchement, il est cancer de ouf. Je vais lancer le jeu, on va le tester ensemble. Je pense que tout le monde l'a testé, parce que tout le monde le joue. Franchement, rien qu'à le voir jouer, je le trouve cancer. Mais impossible, je le vois dans toutes les parties de Brawl Ball, les parties de Razia. Il est de partout. Donc, on va prendre Edgar. J'ai fait une partie avec lui parce que ça avait bugué. Du coup, j'ai fait la partie. Mais bon, j'ai fait la partie comme ça, quoi. Basta. Enfin, il n'y avait rien de spécial. On va prendre l'épine. On va voir si on a de la chance. Ok, je crois que tout le monde a les mêmes. Il me semble que tout le monde a les mêmes parce que le sapin, ça me dit quelque chose. La petite boîte, on la prend. Mais bon, on s'en fout un peu au passage. Et là, on va enfin commencer. Donc, vous connaissez le principe de la razia du test. De Edgar, on fait tous les modes et on va voir s'il est bien ou pas, si je le considère bien. Mais il a l'air ultra cheaté de malade. Voilà, ça m'insupporte, il n'y a que d'Edgar. C'est pour ça que je pense que je vais pas le jouer moi. Enfin, je vais juste faire le test, mais je vais plus jamais le jouer. Parce que il est partout, il est vraiment de partout, c'est insupportable. Alors, on va le tester. Mais c'est, il est trop cheaté en plus, il est beaucoup trop cheaté. Ah mais quand on attaque, attendez, quand on attaque, il se régénère. Attendez, je me trompe pas, il se régénère quand on attaque. Je crois que c'est ça, hein. Quand on attaque, il se régénère, il me semble. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, il y a un nouvel overlay. J'ai fait à l'instant, et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais le mettre pour le montage, tant qu'à faire. Ça peut être plutôt cool. Est-ce qu'il y en a un ici? Ah, j'ai juste envie de voir. Oh putain, je crois qu'il fait 135, il me semble, 135 de régène. C'est quand même pas mal, hein.
Par contre, ça, attendez, regardez-moi sa vitesse de rechargement. Oh, c'est énorme. Et il attaque avec quoi? C'est avec son écharpe? Ah non, c'est ses poings qu'il attaque? C'est ses poings ou son écharpe? Je sais, j'arrive même pas à savoir. Attendez, il va sûrement monter le cadeau. Ou c'est quand on va prendre son cadeau? Mais c'est beaucoup trop cheaté. C'est beaucoup trop cheaté. C'est incroyable. Ah, est-ce que j'ai... Attendez, est-ce que j'ai les pins? Parce que j'ai récupéré les pins, là. Ah non, j'ai juste ça. Mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop cheaté, ça me saoule. C'est impossible de jouer à Edgar, impossible. J'attends qu'il soit nerf, parce que là, en fait, quand c'est trop cheaté comme ça, il y a tout le monde qui l'utilise, c'est insupportable. C'est insupportable, tu peux pas jouer tranquillement. Tu peux pas jouer tranquillement, vraiment. C'est dégueulasse de jouer avec ça. Allez, envoie le cadeau, toi. Hop là, on arrive comme ça. Et je crois qu'il faut le super, enfin, faut l'ulti... Pour débloquer les dégâts, quand il saute, il fait son petit tourniquet là. Et après, tu peux faire des dégâts. Je crois qu'il fait 1100 de dégâts, il me semble, avec le Star Power. Pourquoi j'ai dit l'ulti ou le super? Rien à voir. Voilà, bon. Franchement, il est archi cheaté. Mais on le voit de partout. Du coup, c'est horrible, quoi. Je le teste parce que c'est un nouveau brawler. Et du coup, j'ai envie de le tester. Mais regardez, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a quatre, du coup, dans la partie. Deux dans l'équipe. C'est n'importe quoi. Il y a tout le monde qui l'utilise en ce moment. Franchement, si vous voulez vraiment le monter, je pense utilisez-le en ce moment parce qu'il y a tout le monde qui l'utilise. Ouais, on a la même équipe du coup. Il y a tout le monde qui l'utilise, du coup, franchement, c'est pratique. Et en ce moment, il est vraiment beaucoup trop cheaté. Mais dès qu'il sera nerf, en tout cas, j'espère qu'il va être très bien nerf parce qu'il est beaucoup trop cheaté. C'est insupportable. C'est insupportable, franchement, vraiment. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est limite un coup de gueule parce que ça me casse les couilles de voir tout le monde l'utiliser comme ça à ce point-là. Mais bon. Sinon, franchement, c'est un bon brawler. J'aime bien le design, j'aime bien son gameplay, j'aime bien... Enfin, j'aime bien tout. En soi, j'aime bien tout. Juste, on le voit partout, quoi. C'est ça, le problème. Ouais, il est vraiment trop... Oh, merde, je crois que je l'avais tué. Il est vraiment trop cheaté, quand même. J'ai pas assez de vie. On va attendre. On va attendre parce que j'ai pas beaucoup de vie. Je pense que je vais prendre le jean. Ah, merde. Et là, je me suis dans la merde, là, par contre. Et ouais, j'avais pas vu qu'il y avait l'autre. Bon, enfin... Franchement, je suis déçu. Tellement il est cheaté, je suis déçu, en fait. Mais il est stylé. J'ai juste hâte qu'il soit nerf. Vraiment. Parce que j'ai jamais vu autant un brawler aussi cancer que ça. J'ai jamais vu ça. Là, c'est le premier brawler que je vois qui est aussi dégueulasse à jouer. Oh! Oh, putain. J'ai fait un move. J'aurais pas dû. J'espère que le Jean, il peut l'avoir. Ça va être très limite pour nous. Ah, ça va être très très limite. C'est bon, j'ai bien défendu, je crois. Putain, ça va être limite. Oh putain, c'est moi qui ai tout. Oh, ça c'est mauvais, ça. Ça c'est mauvais. Ça c'est très mauvais. Faut qu'on me défende de ouf, là. Et ouais, là, il y a le Jean. À mon avis, il y a l'autre brawler, là-bas. Faut que je tienne 7 secondes. Ça va être très compliqué, ça. Ça va être chaud, ça va être très chaud. Heureusement, j'ai l'ulti pour m'échapper, parce que sinon, j'étais mort, sur un 100%. Encore une victoire. Franchement, le design, il me fait vraiment penser à Sasuke. Hein. Je sais plus si je l'ai dit la dernière fois, mais il me fait vraiment penser à Sasuke. Et il est beau, il est très très beau, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Il est insupportable, tu le vois partout. Attendez, s'il y a que des Edgar, mais là, je rigole. J'espère qu'il n'y a pas que des Edgar. Hein. Parce que ce serait insupportable. Ça va, il y a un Wally. Heureusement. Et il a pas beaucoup de vie. Ça, c'est c'est pas un défaut en soi parce que c'est le brawler normal. Mais il a pas beaucoup de vie. Du coup, je trouve que c'est bien. Parce qu'il est trop cheat. Hein. Il est beaucoup trop cheat. Bon, il y a un Edgar là. Il est beaucoup trop cheat. Mais, ah, il y en a un autre ici. Bon, ok, il y en a un peu partout, ça veut dire. Parce que sa vitesse de rechargement, mais attendez. Comparé avec ses dégâts, sa vitesse de rechargement, elle est mille fois trop cheat. Hein. Vous imaginez sa vitesse de rechargement ou pas? C'est n'importe quoi. Hop là. Oh là là. Ah, mais en plus, il a un boost. Dès que tu fais son super, il a un boost pour aller encore plus vite. Mais vous voulez quoi? Ça va être cancer, mais un point. J'ai hâte qu'il soit à nerf, hein, parce que rien que les dégâts qu'il fait, et surtout sa vitesse de rechargement. À mon avis, le prochain nerf, il va être basé sur sa vitesse de rechargement. C'est archi cheat. Déjà, il se déplace hyper vite. Je sais pas s'il se déplace. Je crois... Oula. J'ai failli mourir. Je crois qu'il se déplace aussi vite que Korbach, Léon, enfin et toute la team, hein, qui se déplace aussi vite que ça. Hein. Que Max, etc. À mon avis, il se déplace aussi vite que eux. Je suis pas sûr. Hein. Je m'avance peut-être, mais je crois parce qu'il va vraiment vite quand même. Je suis obligé d'attaquer parce que là, je vais mourir sinon.
Attaque de loin. Et voilà, je suis mort. Vite, vite, vite. Oh putain. Il y avait. Oh là, je suis mort. Là, je suis mort. Ouh. Ça va être tendu pour moi. Ça va être très tendu. Je sais pas quoi faire. Je pouvais pas. J'étais obligé de rentrer dans le tas. Il y a tout le monde qui était sur moi là. Peut-être tout le monde. Il y avait que deux personnes. Mais on va se calmer, ok, les gars. Bon, ok. Déjà, il passe niveau 4. Faut au moins le mettre niveau 5. On va faire le Brawl Ball. Cette vidéo, elle va durer plus longtemps parce que du coup, il y a la partie de la dernière fois que j'ai tourné il y a 2 jours où ça a été complètement saturé. J'ai le seum. Oh putain. 3 Edgar. On est 5 Edgar et 3 dans l'équipe. Mais ça va être un bordel. En plus, lui, il m'a laminé. En plus, c'est que de l'autoshoot. C'est comme El Costo, c'est que de l'autoshoot. Là, il n'y a rien, il n'y a pas du beau jeu, il n'y a rien du tout. C'est tout dégueulasse. Oh la chance. Heureusement, il a loupé son truc. Hein. Par contre, le surge, je l'ai soulevé un point. On va voir s'ils sont forts, eux. Ceux qui sont avec nous. Ok, il a l'ulti. Hop là. Lui, il a stressé, ça se voit. Ça se voit qu'il a paniqué. Ok, le surge, c'est bon. Normalement, c'est plutôt easy. Oh non, je me suis loupé. Oh, je suis une merde. Oh, la merde que je suis. Oh, je suis vraiment la pire des bites. Oh, putain. Pas possible, ça. Hop là. C'est bon, c'est le but là. Je suis obligé. Oh putain, mais j'étais obligé. Je pouvais pas tirer, t'es devant. Oh, j'aurais dû faire contre le tonneau et qu'il revienne. J'aurais dû faire un trickshot. Mais je suis nul avec les trickshots. Alors avec Edgar en plus que je connais pas trop. Hop, on se met à 4 sur lui. C'est bon. C'est bon, on a esquivé sur. J'ai mis ses attaques. On régène en même temps. Ah, j'espère que sur en défense il gère bien. Oh putain, il va pas gérer. Hop là. Faut écarter la balle. Oh, j'en ai éliminé un. J'en ai éliminé un. Normalement, on a peut-être une chance. Ça va faire égalité, je pense, là. Hein. Ça a été tendu. À mon avis, il faut que je charge juste le super pour que je puisse attaquer. Hop, on va essayer d'aller sur lui. Oh putain. Ah, mais il a... C'est bon, on l'a eu. Vas-y, prends la balle, prends la balle, prends la balle. Mais qu'est-ce que tu fais? Prends la balle, frère. Viens, viens, on va à 2 sur lui. Comme ça, hop là. Putain. Ça va être la galère. À mon avis, on va le perdre ce match. Je sais pas pourquoi, je le sens. Là, j'écarte la balle. Hein. Comme ça, ils ont le temps de régène, etc. C'est bon, le surgelé. Hop là. On a peut-être une chance, on a peut-être une chance. Utilise ton super, mon frère. Ouh. Le but. À 7 secondes de la fin. Heureusement qu'on a marqué. Hein. Sinon, on était mort là. Hop là. Hop, on arrive dessus. Easy. Easy. Non, pas du tout. Mais on a gagné. On a gagné contre 3 Edgar. Hein. On était 3 Edgar quand même. Et non, contre 2 Edgar et 1 Surge. C'est chaud. Hein. Je suis quand même à 17 200 bientôt. Ça fait quand même plaisir, 17 200, attendez. On a bien monté, hein. Bon, en même temps, avec... on a eu Tara, Jean, Surge. Il y a quand même beaucoup de brawlers qui ont été ajoutés, donc ça fait quand même archi plaisir. On va faire le siège après la zone réservée, et ça sera terminé, ce petit test. Pour le moment, Edgar, beaucoup trop cheat. On est d'accord, je pense, tout le monde est d'accord pour dire que Edgar est 1000 fois trop cheaté. Il est... Il est cancer. Vraiment, il est beaucoup trop cancer. C'est horrible. C'est limite horrible, vraiment. Que t'arrives, y a pas de skill, tu t'auto-shoot, zéro skill. Là, y a pas de stratégie, c'est juste un bourrin, tu vas dessus. Faut qu'il soit nerf en fait. Hein. À tout prix, s'il est pas nerf ce brawler là, j'ai le seum. Parce que là, c'est horrible. Je sais pas quand est la prochaine mise à jour. J'attends que ça, honnêtement. J'attends que ça. Parce que le jour où il y a la prochaine mise à jour, je vais commencer à pouvoir jouer Edgar. Mais pour le moment, Vous pourrez vérifier mon compte. Je ne le jouerai jamais. Tant qu'il n'a pas été nerf, tant qu'il est trop fort comme ça, je ne le jouerai pas. Là par contre, c'est la merde pour nous. Hop. C'est la merde complet. Bon, ça va être compliqué. Faut qu'on ait les prochains. Oh putain, il y a encore un Edgar là. Hop là. Là, faut l'échapper un maximum. On va essayer de sauvegarder un peu notre vis. Vas-y, lui, je l'ai. Oui, j'ai eu. Oh, elle est sur le truc. Oh, ça va être compliqué pour nous, ça.
Allez, on y va. On fait un carnage. Là, faut sauvegarder les deux. Ok, on en a 4. Ça va être très limite, hein. Le siège final, ça va être très limite pour l'avoir. Lui, faut le virer. Oula, j'ai pris les dégâts de la tourelle, c'est pas bon ça. Les dégâts de la tourelle, c'est vraiment pas bon. Faut arriver le plus vite possible. Et limite, je meurs, on s'en fout, mais faut faire masse de dégâts. Ok, bon. On a 46, on a fait 46. C'est très très bien. Maintenant, si on a le siège final, c'est sûr, on gagne. Mais si on l'a pas, va falloir retenir le robot, ça va être très compliqué pour nous. Très très compliqué pour nous, ça. Ok, c'est bon, on l'a eu. Par contre, ils sont vraiment en avance sur nous. À mon avis, on l'a pas, celui-là. On l'a vraiment pas. Et le Wally, il arrange rien. Ok, on l'a pas. Et ouais, ça va être très compliqué. Faut limiter la casse, maintenant. On va limiter la casse. Bon. Niveau 9, ça va être très chaud. Je sais pas si on peut réussir. On va essayer de le retenir, quitte à mourir. Hein. On est obligé. Faut que je prenne les dégâts. Je suis obligé de prendre les dégâts. J'aurais pu mieux faire, je suis d'accord, j'aurais pu mieux faire. À mon avis, on a perdu. Ouais, bon, on a perdu largement. Très largement. Bon, ça change rien. Edgar, beaucoup trop cheaté. Ils avaient combien d'Edgar? Ils en avaient deux aussi, hein. Ils avaient Edgar plus Surge, il me semble. Je suis pas sûr. Ils avaient Edgar plus Surge. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, bah, Wally, il a mal joué, on va dire. Non, franchement, pour le moment, Edgar, je joue pas. J'ai pas envie de le jouer, en vrai. J'ai vraiment pas envie de jouer. Oh, ça a changé depuis le moment. Mais vous savez quoi? On fait le braquage plus le prime. Plus le prime. Je sais pas comment on dit. Prime, prime. Vous dites quoi? Prime ou prime? Mais ah, là c'est intéressant. Il y a que un seul Edgar dans chaque équipe. Enfin une partie à peu près normale, on va dire. Ça c'est cool. Lui, faut le virer. C'est bon. Si on a pris ascendant sur le premier Edgar, normalement on devrait... Ah, j'en étais sûr, il y a le lever de Léon. Hop là. On a fait quelques dégâts. Oh, 84 déjà. On n'a rien fait comme dégâts quasiment. Oh, par contre, le Surge, il a vraiment géré. Il a l'air de bien jouer, le Surge. Bon, tu vas t'occuper, je pense, du Edgar. Ok, on s'est éliminé en même temps, donc ça va. Oh, vous imaginez pas comment j'ai hâte qu'il soit nerf, hein, vraiment. Parce que là, c'est un supplice de jouer pour moi, à la limite. Alors que le Brawler, il est stylé, hein. Le Brawler, il est vraiment stylé. Je kiffe le Brawler. Mais regardez-moi les dégâts que ça fait. Oh, 68. 63. J'ai fait combien? J'ai fait 4 attaques, il me semble. Je crois que j'ai fait 4 attaques, hein. Il est passé à 63 déjà. C'est énorme. C'est bon, lui. Easy. Easy, un point, lui. Il reste 39. Je peux peut-être le finir, hein. Attendez. 29. 25. Il était à 39. J'ai fait passer à 25 juste en 3 attaques. C'est énorme, hein. Vraiment énorme. Attends, lui, il arrive. Voilà. Parfait. On a plutôt bien géré. Regardez, il nous a fait 11 en 3 attaques et je crois qu'il en a loupé une puisqu'il m'a attaqué. Hop là. Oh putain. Oh les dégâts qu'on a fait. Oh, j'ai sauté dedans. Et en plus, ça fait des dégâts. C'est pas que pour un seul. C'est pour des dégâts de groupe. Hein. C'est énorme. Là, du coup, on va partir en prime. Et en prime, je pense qu'on va faire un record. C'est pas possible. C'est tellement facile de jouer. Heureusement, il est gratuit. Hein. Et ah non, là... Je sais plus, oui, là je crois qu'il est disponible encore dans le magasin, donc si vous ne l'avez pas récupéré, bien sûr, n'oubliez pas de le récupérer, mais bon, je pense que tout le monde l'a récupéré. Et sinon, attendez, on va se concentrer, même si je me suis fait complètement déglinguer. Sinon, je sais même plus ce que j'allais dire, sinon, récupérez-le, et je crois qu'il est épique, il me semble qu'il est épique. Je suis presque sûr qu'il soit épique même. Hop là, easy, voilà. Franchement, c'est un truc de déplacement est vraiment stylé. En plus, il y a vraiment envie quand même. Le Byron, du coup, le Byron, j'ai l'impression, il est un peu passé, on va dire, à travers les lignes. Parce qu'on ne sait pas vraiment son efficacité, etc. Bon, là, je fonce comme un bourrin. En fait, j'ai envie juste de foncer comme un bourrin. Pour moi, c'est vraiment un El Costo. Heureusement, la Peach, elle joue bien. Ouais, Byron, il est passé un peu à travers les mailles, on dirait, parce qu'on connaît pas trop son efficacité, etc. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que Byron, ça a l'air d'être un très bon brawler, puisqu'il soigne et fait des dégâts en même temps. J'ai hâte de l'avoir. Au début, je voulais vraiment l'avoir dans mon premier pack opening. Bon, finalement, je l'ai pas. Je savais qu'il y avait lui, mais j'avais complètement oublié qu'il était resté ici. Bon, si on perd, là, c'est complètement de ma faute. J'ai trop mal joué. On va essayer de bien jouer. Vous savez que Ambre, elle a encore cheaté quand même. Ambre, elle est vachement cheatée encore. On va essayer de régène. Là, on peut attaquer.
Bon, à mon avis, je vais mourir. Ça fait 2500 de dégâts. Je suis mort, ouais, voilà. C'était presque sûr, mais au moins on a tué la Ambre, du coup on a de l'avance. Par contre, la Poli, elle joue super bien. Ouais, elle joue vraiment bien, la Poli. On va essayer de rester caché, défendre la Poli surtout. Ça va être le plus important pour nous. Oh putain, le Byron, il nous a tués. Oh la merde. C'est bon, j'ai le Byron. 41. On s'est gavé, on s'est gavé. Là, ça va être très compliqué. En fait, il a que 3000 de vie, c'est ça le problème. 3000 de vie, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment très très peu, 3000 de vie. Hein. Heureusement, la Poli, elle joue super bien. 46-36, et voilà, je pense que le test est assez concluant. On va se terminer ici, et puis voilà, j'espère que vous, ça vous a plu. Moi, bah, pour conclure, vite fait, on va dire, Edgar, très bon brawler. Malheureusement, ultra cancer. Et quand je dis ultra cancer, c'est pas un petit cancer, un brawler qui vient de sortir. Il y a tout le monde qui l'a, comme il était gratuit, bon c'est plutôt logique, mais tout le monde l'utilise. Mais un point, c'est archi cancer. Donc, si vous voulez le monter, je pense, utilisez-le maintenant. Utilisez-le maintenant, il a pas été nerf. Et il sera nerf dans, à mon avis, une semaine, voire quelques jours. Donc faites-le assez vite. Sinon, trop cancer, tout le monde l'utilise. Et je crois que je l'ai assez répété, mais bon. Vous m'avez compris. Donc on va se laisser ici, bien sûr. N'hésitez pas, les pouces bleus, les abonnements, les commentaires, comme d'habitude. On se retrouve à la prochaine fois. Et puis voilà. Rejoignez le Discord. Et bye les potes. Ciao.